là où je travaille beaucoup sur les œuvres mixtes, c'est la possibilité, grâce à l'électronique, d'avoir une sorte de surnaturalité. C'est comme dans les films de science-fiction, c'est-à-dire je vais juste avoir un développement du geste qui va être encore plus large que ce que peut proposer l'instrument. Je ne veux pas travailler sur les limites du geste, sur une super complexité ou sur une super virtuosité, même si ma musique est très virtuose. Mais l'idée, c'est de développer l'environnement de l'instrument pour qu'il puisse être dans un univers encore plus large. Voilà. Donc pour moi, l'électroacoustique, même si elle est très écrite, c'est une sorte de... ça oscille entre la sous-couche et le duo sur lequel l'instrumentiste va pouvoir se poser. Donc je ne veux absolument pas lui donner des contraintes. Il y a effectivement des repères, des temps, parce qu'il faut bien que ça, voilà, faut bien que ça se joue. Je ne veux pas complexifier la technologie avec des suivis de partitions ou autres, parce que c'est très complexe à mettre en place et au bout d'un moment, la musique ne se joue pas parce qu'il y a tellement de contraintes techniques que ça ne se fait pas. Je ne veux pas imposer à l'instrumentiste des clics dans l'oreille ou autre, parce que du coup, on perd totalement le naturel. Mais par contre, l'idée, c'est effectivement d'avoir une sorte de d'augmentation de lui-même. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme si on prenait finalement son instrument comme l'un des instruments d'un orchestre imaginaire. On n'est pas mis en avant, bien que la partie soit toujours à la fois virtuose, technique, précise, demande diverses sortes d'articulations, des registres parfois très étendus. Même si la bande électroacoustique a son langage, sa sonorité propre, ce qui m'a plu, c'est de sentir que le piano avait vraiment sa place, qu'il était comme, finalement comme un instrument qui pouvait presque, à certains moments, lui aussi avoir des sonorités un peu étranges, un peu inhabituelles et un peu, je dirais, pas les sonorités d'un instrument acoustique traditionnel. Il faut le temps que ça décante. Je crois que c'est pour trouver de la profondeur, pour trouver justement le lien entre les trois langages que moi j'ai repérés, pour que les choses se mettent à résonner, à trouver leur phasage intérieur. C'est très important que ça décante, que ça voyage à l'intérieur de l'interprète. Pas seulement pour apprendre les traits, pas seulement pour arriver à jouer les choses, mais pour que ça forme un tout.